C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, madame, messieurs, pour le compte de ces magazines qui vous parlent comme ça des élections. C'est votre magazine qui vous met au parfum du processus électoral. Vous savez que le train de la CENI est déjà en marche. La CENI n'est sûre qu'à l'organisation des élections en décembre 2023. Ce n'est plus en tout cas de racontard, c'est une réalité. La CENI va organiser, va bel et bien organiser les élections en décembre 2023. On a déjà nos cartes d'électeurs, nous irons tous voter. Mais la plus grande question est celle de savoir comment voter et qui voter, comment la population congolaise peut faire un vote utile, que ce soit à la députation nationale, provinciale ou bien présidentielle. Alors, comment voter, madame, messieurs? Il faut avoir les yeux ouverts, savoir ce que vous voulez, à qui vous voulez donner un autre mandat ou bien à qui vous voulez qu'il puisse vous représenter devant les députés nationaux, devant nos institutions, à qui vous voulez donner ces fardeaux. Alors, il faut savoir bien faire votre choix. Aujourd'hui, nous allons donner parole à un honorable, moi je l'appelle honorable député parce que, selon moi, il est déjà député, déjà élu. C'est un candidat député national au Massima Nimba. Il s'agit de M. Noël Moussouini. Il est cadre de l'AVCA. Il est président interfédéral de l'AVC à Massima Nimba. C'est ça. Monsieur Noël, bienvenue à vous. Merci. Merci de m'avoir invité. Ok, comment vous vous sentez? Très bien, je suis en bonne santé. Déjà aux fièvres des élections? Bien sûr. Vous êtes prêt pour les élections? Je suis prêt, oui. Déjà? Oui. Ok. Alors, comment se porte votre parti, l'AVC? Très bien, okay. Du moins à Massima Nimba, en tout cas, on est en bonne santé. L'AVC est en très bonne santé actuellement. Et aussi, l'AVC a été réconforté, oui, avec la présence des autorités du parti. Ok. Ça va. Donc, l'AVC a aligné beaucoup de députés, tant nationaux que provinciaux. Oui, nous avons aligné au total 5. Un a été invalidé. Ok. Et nous sommes restés 4. Au niveau provincial, nous avons aligné 8. Ok. Il y a un dont le dossier est en contentieux. Oui. Et nous espérons qu'avec les recours que nous avons introduits, oui, donc il sera validé. Là, vous parlez seulement de Massima Nimba ou Massima Nimba, bien, oui, de toute la RDC? Là, je parle de Massima Nimba. Oh, seulement Massima Nimba. Ouais. Alors, votre candidat présidentiel, c'est toujours Félix-Antoine Tshisekedi? Oui, parce que l'AVC fait partie de l'Union Sacrée. Oui. Et l'Union Sacrée soutient le président de la République. Ok. Comment avez-vous apprécié le travail de la Cour constitutionnelle par rapport au dossier de contentieux, en l'occurrence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? Actuellement, nous n'avons pas besoin de conflits. Nous, oui, voulons qu'il y ait la paix dans le pays pour que les élections se fassent dans de bonnes conditions. Mm-hmm. Donc, c'est une bonne chose, c'est, oui, une bonne décision, oui, pour que tout le monde soit validé, mm-hmm, et que nous puissions aller aux élections paisiblement. Mm-hmm. Au moins 24 candidats pour la présidentielle. En tout cas, vous n'avez pas peur de la concurrence? Non. Pourquoi? Pourquoi avoir peur de la concurrence? C'est la démocratie. Oui. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple et par le peuple. Donc, si le peuple veut qu'il y ait beaucoup de candidats, mm-hmm, pour faire un bon choix, moi, je pense que ça vaut la peine. Mm-hmm. Ça vaut la peine. Donc, l'AVC compte à remporter beaucoup, beaucoup pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, nous avons aligné beaucoup de candidats, oui, et nous avons atteint le seuil, oui, hein, plus de 300. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, en termes de pourcentage, nous avons eu plus de 70%, oui, de seuil. Donc, nous sommes dans le bon. Dans les bons. Alors, madame, monsieur, monsieur Noël Moussouini a fait une descente à Massima Nimba parce que c'est ça sa base. Il faudra le dire. Hein. Oui. C'est votre base, Massima Nimba. Il a fait une descente juste pour voir comment se comporte sa base, comme vous le voyez en image. Alors, monsieur Noël Moussouini, vous faites tout le temps de descente à Massima Nimba. C'est juste pour vous rassurer que votre base garde toujours votre nom dans leur tête? Oui, non seulement pour me rassurer, oui, mais aussi pour redynamiser la base. Okay. C'est-à-dire la fidéliser pour que je sois sûr, oui, que cette base va me voter massivement. Oui. Et cette fois-ci, ça a été un peu différent. Ok, on va arriver. C'était différent. Alors, cette base, il faut fidéliser cette base. Il faut que cette base garde de bons souvenirs de Noël Moussouini. Exact. Alors, puisque ces gens qui nous suivent, peut-être il y a de ceux qui, c'est pour la première fois qu'ils vous suivent,
Il se pose des questions. Pourquoi voter, par exemple, Noël Moussouni à Massimanimba? En d'autres termes, qu'est-ce que cette population peut garder de vous? La population de Massimanimba savent de quoi il s'agit. Cette vote de cette année de 2023, les élections que j'appelle à tous les niveaux, à Massimanimba, la population savent qu'ils ont besoin de nouvelles figures. Okay. Ils ont besoin de nouvelles générations. Ils ont besoin de gens qui peuvent les représenter valablement pour leur avantage. Okay. Ce n'est pas cette vieille classe politique qui a déjà existé sur place, qui n'a rien fait. La population continue toujours dans la misère totale. C'est pour cela que nous insistons que la population de Massimanimba sache faire le bon choix. Okay. Et ce bon choix, moi je pense que c'est moi. Ah. Oui, le bon choix c'est moi parce que... Non, vous l'avez déclaré déjà. Oui, ils savent. Ah. Ils savent. En parlant comme ça, je suis optimiste parce qu'ils savent. Ils savent à qui est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce que je ferai pour eux. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'images. Vous avez déjà fait quoi là de concret? Actuellement. Vous avez créé quoi? Des écoles? Vous avez fait réfectionner des ponts? Qu'est-ce que vous avez fait? Les ponts, je vais les réfectionner. Ok. Les écoles, je vais les réfectionner. J'ai des images, j'ai visité certaines écoles à Massimanimba, sur place dans la ville de Massimanimba. Ok. D'abord, sans toutefois entrer dans des recoins, là où, dans des villages, là où les gens souffrent énormément. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des champs, j'ai fait l'agriculture, l'élevage des gros et des petits bétails. Et ça parle, les images parlent d'elles-mêmes. Je n'ai même pas besoin de tout détailler. Donc, la population de Massimanimba le savent. Ils le savent. Ils ne sont pas... ils sont très éveillés actuellement. Ok, très éveillés. Par rapport aux anciens qui nous ont précédés. Voilà. Alors, cette population souffre de quoi? En d'autres termes, cette population a besoin de quoi? Cette population souffre d'abord de la pauvreté extrême. Ok. Comme je l'ai dit précédemment, ils souffrent de la pauvreté extrême. Je dis bien extrême. Okay. Donc, au lieu de faire ce que la population a besoin, nous faisons autre chose. Nous allons avec des jeeps parfumés. Eux, ils souffrent, ils marchent à pied, ils n'ont rien à manger. J'ai été là-bas, j'ai fait 3 jours à Massimanimba. Juste pour donner l'exemple, j'ai fait 3 jours à Massimanimba, centre-ville. J'ai vu comment est-ce que la population m'a entouré. Et il faut les nourrir, ils n'ont rien à manger, rien du tout. À manger, ils pourraient être dans des provinces, ils peuvent faire l'agriculture. Ils peuvent faire l'agriculture, mais ils ne le font pas. Okay. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ne sont pas vraiment forts, ils ne sont pas bien sensibilisés pour qu'ils aillent au travail. C'est pour cela, moi, dans mon projet de société, j'exige, je demande, pas exiger, je demande aux gens de retourner au travail, de faire le travail des champs, de faire l'élevage comme fut à l'époque de nos parents. Ils faisaient l'élevage des petits et gros bétails. C'est pour cela qu'on ne souffrait pas de la famine. Mais aujourd'hui, les gens souffrent. Donc, je peux bien dire statistiquement, plus de 80% de la population à Massimanimba souffre de la pauvreté, malnutrition, tout ça. Et l'éducation, c'est quand même bon? Bon, l'éducation à Massimanimba, je ne peux pas dire que c'est très bon. Je ne peux pas dire aussi que c'est bon. Assez bon. Assez bon. Parce que j'ai parcouru certaines écoles, vous verrez que, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut réhabiliter tout. Parce qu'il manque des bons. Il manque de tout. Et des bons tableaux aussi. Même des personnels. Même des personnels de qualité. Ok. Qualifiés, au fait. La santé, alors? La santé, n'en parlons pas. Il n'y a pas des hôpitaux? Les hôpitaux sont délabrés. Le mauvais système qui a précédé depuis 20 ans a tout détruit. Et c'est difficile vraiment de voir quelqu'un réhabiliter l'hôpital de l'État. C'est vraiment, c'est pas facile. Okay. C'est difficile. Et alors, moi, j'estime que une fois la population me fait confiance, la première des choses, ce sont les infrastructures de base, comme les hôpitaux, les écoles. C'est ça qu'il faut réhabiliter. Okay. Il faut avoir une bonne éducation pour espérer avoir un bon futur. Okay. C'est tout pour la jeunesse. Alors, on va parler de cette descente que vous avez fait cette fois-ci à Massimanimba. Cette énième descente. Parce que vous êtes tout le temps, vous êtes à cheval, Kinshasa.
Vous êtes aussi à l'étranger et puis Massimanimba. Alors là, je ne vais pas vous taquiner hein, parce que vous êtes de la diaspora ou diaspora. Ça, on viendra après. Alors, vous avez fait une descente que vous avez dit que c'était vraiment une descente émouvante. Oui, alors, spécial. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette descente? Cette descente a été particulière parce que, au lieu d'aller seul, je suis allé avec certaines autorités du parti. Okay, donc, le président de l'interfédérale Kwilu, dont le numéro 1 de l'AVC Kwilu, et le représentant de l'autorité morale, son Excellence Didier Boudimbou, a été représenté par M. Dadine Somé, qui est aussi l'un des fondés du parti. Okay. Et il était ensemble avec nous à Massimanimba, okay. justement pour m'introniser. Okay. Ah oui, officiellement, m'introniser comme interfédéral de la BC. Donc, félicitations là. Merci beaucoup. C'est maintenant officiel, vous représentez. C'est maintenant officiel parce que toutes les autorités de Massimanimba étaient là-bas. Okay. Les chefs de groupement, les chefs de village, l'administrateur du territoire, tout le monde était là. Ils m'ont intronisé et il y a eu des mots de circonstances de la part du représentant de l'autorité morale et aussi l'interfédéral qui a fait du coup le représentant du secrétaire général, le professeur Magloire. Donc, ça a été vraiment très émouvant. Très émouvant. Et là, comment la population de Massimanimba a accueilli les autorités? Je n'ai même pas besoin de tout détailler parce que les images sont claires. Okay. Ils ont été accueillis en pompe, je peux dire. Okay. Parce qu'il y avait la musique dans toute la ville de Massimanimba. La musique qui sonnait partout. On a marché une distance d'un kilomètre à pied. Pourquoi vous avez marché à pied? Parce qu'il y avait la foule, il y avait la population qui voulait qu'on descende, qu'on marche. Ah bon, c'était une propagande. Bon, ce n'est pas une propagande. Ils vous ont raté seulement les chipots. C'était juste une matinée politique. La propagande viendra. C'était une matinée politique, justement pour m'introniser. Vous savez, le pouvoir vient de la base. Et après, ça remonte. Il faut que la base puisse comprendre que non, j'étais leur représentant. Et je serai leur représentant au Parlement. Voilà. Donc, vous avez été intronisé. C'était quand, là? En date du... C'était le vendredi 1er novembre, je pense. Vous avez été intronisé, Au 31 novembre. Novembre, ça vient à peine de commencer là. Voilà, vous avez été intronisé, c'est qu'on doit retenir devant toutes les autorités de l'AVC. On vous a accepté dans votre base et accepté aussi votre regroupement ou même parti politique. Alors, à part cette façon ou bien ces gestes qu'on vous a intronisé, est-ce que vous avez pu faire quelque chose d'autre? Oui, à Massimanimba, juste après mon intronisation, nous sommes allés à Kikwit, une des grandes villes de la province de Kwilu, justement pour parler avec la fédération de Kikwit et les amis qui sont là-bas et la base aussi, les électeurs de là. Et nous sommes rentrés, juste une petite réunion d'ensemble avec l'interfédéral de Kwilu, moi-même de Massimanimba et celui de Kikwit. Quand je suis rentré, le dimanche, c'était le jour du culte et à l'église, j'ai remarqué que l'église où je suis allé prier, il n'y avait pas de pavement. Ah, vous avez remarqué. Oui, j'ai remarqué. Vous avez commencé avec les bidimbou. Voilà. Et je suis allé, j'ai signé un chèque de 50 sacs de ciment pour que le pavement soit quand même mis en place parce que c'était vraiment la honte quoi, pour moi. C'est une grande église de plus de 500 membres, mais il n'y avait pas de pavement. Et il manque de tout, alors. Il n'y a même pas de chairs, il n'y a même pas de chaises. Donc, il manque beaucoup de choses. Et les gens s'asseyaient comment, alors? Eh bien, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Mais sur le plan spirituel, je me suis dit, je suis chrétien. Oui. On ne peut pas laisser passer les choses comme ça. C'est pour cela qu'j'ai été obligé de signer le chèque de 50 sacs de ciment pour que ces pavements soient quand même réalisés. Déjà. Déjà, vous avez commencé avec les bilimbos. C'est que pendant la campagne électorale, ça sera terrible. Ça sera terrible, oui. Ben, ça sonne, ça commence déjà. Des appels par-ci, par-là. Et nous des ici, pourquoi vous nous avez abandonnés? Il faut venir, on vous attend, tout ça, tout ça. Beaucoup d'appels.
Okuda. Comme qui dirait, les gens confondent un peu c'est quoi le rôle d'un député national. Hein? Voilà, ça c'est une bonne question. Mais il faut maintenant rappeler c'est quoi le rôle d'un député. Est-ce que c'est construire des ponts, faire des bons gestes comme vous l'avez fait là, dans cette église, c'est ça le rôle d'un député? Je pense que moi je le fais en tant que chrétien, okay. En tant que fidèle de la communauté baptiste du Congo. Et je ne pouvais pas laisser passer comme ça et ça m'a fait très mal. Mm-hmm. Mais ce n'est pas mon rôle. Mm-hmm. Hein? Ce n'est pas mon rôle en tant que député. Je ne suis pas encore député. Ouais. Hein? Bah, une fois que je les représente au Parlement, il y aura des lois qui seront votées pour que la population se retrouve dans ces cadres-là pour reconstruire leurs églises. Parce que l'église travaille en collaboration avec l'État. Le rôle d'un député, c'est légiférer les lois, madame, voilà. Messieurs. Vous allez donc représenter votre base à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc, il est temps de récolter, hein, c'est aussi un conseil pour les autres candidats, de récolter le problème, donc les problèmes de vos bases pour vous permettre de le représenter valablement. C'est ça, c'est pour cela on dit qu'un député doit être élu dans sa base pour qu'il puisse valablement le représenter. Alors, M. Noël Moussouni, vous pensez que votre base est prête à vous voter au moment opportun? Oui, oui, les électeurs de Massimanimba, la population de Massimanimba est prête à aller aux élections et à m'élire comme leur représentant. Okay. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que je vois la façon dont ils sont contents. D'abord d'accueillir le parti, c'est moi, donc je suis l'initiateur d'amener ce parti là-bas. C'est parti là-bas, ok, là il faut épingler, hein? Donc, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, j'étais la première personne à parler de l'AVC dans Massimanimba, et ils l'ont accueilli avec beaucoup de joie, et ils sont contents même de la signification, tout simplement, de l'AVC. Okay, très content. Et quand ils m'ont vu, moi-même aussi, laissant l'Europe, laissant tous les privilèges en Europe, leur parler de l'AVC, ils étaient vraiment très contents. Et ils sont contents jusqu'aujourd'hui. Okay. Beaucoup de gens se sont adhérés. Mm-hmm. Ils n'ont pas de cartes, peu seulement ont reçu des cartes, mais les fiches d'adhésion, on est vraiment envahis avec les fiches d'adhésion. Mm-hmm. Hein, ils viennent tous les jours s'enregistrer et remplir les fiches d'adhésion. Alors, il y a beaucoup de partis politiques en RDC. Pourquoi vous avez choisi seulement l'AVC? C'est parce que, comme je l'avais épinglé, je l'avais dit la fois passée, là, j'ai remarqué que dans l'AVC, il y a des choses qui me tiennent à cœur, hein, dans le projet de société de l'AVC. Autre vision du Congo, autre façon de diriger le pays, autre façon de voir les choses. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je n'ai pas voulu aller dans d'autres partis, mais dès que j'ai vu AVC, autre vision du Congo, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que moi je veux. C'est ce qui rencontre ma vision. Donc, voilà. C'est pas pour dire que c'est votre parti, les gens de la diaspora. Je ne crois pas. Oui. Je ne crois pas que c'est le parti de la diaspora. Oui. Parce que tout le monde qui sont là-bas à Massimanimba ne sont pas de la diaspora. Okay. Hein? Moi, je suis l'apporteur. J'ai apporté la vision. J'ai apporté l'AVC à Massimanimba. Mm-hmm. Et ils ont accepté. Cela prouve que ce n'est pas seulement la diaspora. Alors moi, quand je vous entends parler, je me pose beaucoup plus de questions pour savoir comment une personne qui a beaucoup vécu à l'étranger, comme qui dirait Tukinoa, il ne connaît pas la souffrance des Congolais. Il ne connaît pas comment les Congolais ont souffert. Vous avez dit que non, le problème de Massimanimba, c'est beaucoup plus la souffrance, la pauvreté. Mais là, c'est ce que vous avez remarqué, mais vous n'avez pas vécu cela. Est-ce que vous serez à mesure d'aider cette population, d'autant plus que vous n'avez pas vécu cette souffrance? Moi, j'en ai vécu avant d'aller en Europe. Je suis né là-bas. Ok. Ce n'est pas dit que quand on vit en Europe, on ne peut pas connaître ce qui s'est passé à Massimanimba. Mm-hmm. Ça, c'est faux. Mm-hmm. Moi, je suis tout le temps là-bas à Massimanimba. Je sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. En se référant à mon passé, je prépare mon avenir maintenant là, avec tout ce qui se passe là-bas à Massimanimba. Je suis en train de préparer. J'ai pris les doléances de la population de Massimanimba. Je les ai sur mes épaules. Je connais qu'à Massimanimba, s'il faut que je descende à Kimbinga, par exemple, un village là-bas, Kimbinga, là où j'ai étudié, j'ai fait, je pense, une année ou deux ans là-bas. Je sais qu'est-ce qu'il faut pour que cette population-là soit dans la joie. Je sais. Très simple. Il faut amener l'agriculture, il faut amener la pisciculture pour qu'ils aient du poisson avec des protéines. La population sera dans la joie. La population va bien vivre.
Et même s'ils n'ont rien à manger, mais ils sont toujours dans la joie. Mais si vous ajoutez encore un projet, par exemple le développement, la population sera dans la joie extrême. Parce que je connais leurs souffrances. Je connais leurs souffrances. La terre est très fertile. Il suffit qu'ils fassent l'agriculture bien organisée, l'agriculture moderne. Ils ont la production, ils vendent, ils peuvent nourrir la population, ils peuvent se faire nourrir, ils peuvent aussi obtenir de l'argent et scolariser leurs enfants. C'est ce que nous cherchons, non? C'est ça le développement à la base. Ici, ils envoient leurs enfants à l'école. Ils ont un peu d'argent pour se faire traiter à l'hôpital. Ils ont de l'argent pour se faire nourrir. Ils ont le manioc, ils ont le maïs, ils ont les arachides, ils ont le poisson. Qu'est-ce qu'ils vont encore aller chercher? Ils peuvent acheter du sel, ils peuvent acheter du sucre, ils peuvent acheter du café. Qu'est-ce qu'ils vont encore chercher dans ces mondes? Donc, vous connaissez la souffrance. Alors, qu'est-ce que Massima Nimba a de particulier que les autres parties de province? Massima Nimba, d'abord, c'est une terre agricole. Oui. Ouais, la terre est très fertile là-bas. Il y a beaucoup de poissons. Okay. Dans des étangs, dans des rivières. Mm-hmm. C'est ça qu'il y a de particulier. Okay. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin, mais eux-mêmes ne savent pas ces trésors. Mm-hmm. Ils ne savent pas exploiter. Ils ne savent pas, voilà. Ils n'ont pas le moyen de le faire. Moi, je pense qu'ils savent, mais ils n'ont pas le moyen de faire. Mm-hmm. Et il faut les éduquer, il faut utiliser la formule pédagogique pour qu'ils savent que non, écoutez, nous pouvons travailler avec nos propres mains, par le fond de notre propre sueur, nous pouvons travailler et trouver à manger. Okay. Hein? Il faut toujours les conscientiser. Ouais. Vous savez, il y a un proverbe qui dit le ventre creux n'a point d'oreille. N'a point d'oreille. Voilà. Ni d'intelligence, ni de force. Voilà. Il va acheter tout ça, pas seulement d'oreille. Hein? Voilà. Ni d'intelligence, ni de force. Tout, hein? Ils oublient tout facilement. Oui. Hein? Parce que j'ai remarqué, j'étais là-bas, ils viennent même demandent à manger. Mm-hmm. Je me dis, mais ça m'étique. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette nourriture que moi je dois manger? Mm-hmm. Et je dois le partager avec... Qui sont produits par eux-mêmes. Voilà. Hein? Parce qu'on l'a acheté là-bas. Par exemple, la viande, on l'a acheté là-bas. Mm-hmm. Le poisson, on l'a acheté là-bas. Mais il faut aussi partager avec eux. Donc, vous serez un bon député pour votre base. Les voyages, ce ne sera plus à l'étranger, mais ce sera toujours à Massima Nimba. Ça, c'est évident. Là, c'est vous aurez des gardes partout. Il n'y a pas moins qu'on vous approche. L'honorable ne reçoit pas. Ça, ce n'est pas possible. Mais si, qu'on remarque. Pas moi. Une fois élu député, directement, vous changez. Mais j'ai déjà des gardes. De face, hein. J'ai déjà des policiers là-bas. Mais pourquoi ils ne les chassent pas? Ils sont toujours là. Oui. Oui. Les policiers sont là justement pour nous protéger quand on voyage sur la route. Oui. Donc voilà. Mm. Mais là-bas, moi, je me promène comme ça. Je serai toujours comme ça. Je ne changerai pas. Vous serez toujours accessible. Voilà. C'est avec accessible. Les doléances même du plus petit. Je suis allé à l'église. Oui. Est-ce que je suis allé avec les policiers? Mm. Non, il est resté. Il est là. Nous sommes allés tout seuls. Donc ça sera toujours ainsi parce que moi, je considère que c'est notre population. Ils nous connaissent depuis le bas âge. Mm-hmm. Pourquoi je dois amener des policiers, des gardes, même si je deviens ministre? Mm-hmm. Je n'amènerai jamais des policiers là où je dois parler avec la population. Influencer, mon question de marquer son temps. Ben, je l'espère. Alors, on va parler cette fois-ci de difficultés que vous rencontrez dans votre parcours politique. Quelles sont les difficultés? Parce que vous êtes politicien, vous êtes aujourd'hui candidat à la députation nationale. Demain, par rapport à vos ambitions, peut-être vous serez candidat à la présidentielle, tout est possible, à celui qui veut croire. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre parcours politique? Il y a beaucoup de difficultés, par exemple, sur le plan financier. Oui. Ce n'est pas facile oui. d'embraser la politique nouvellement. Il faut toujours se battre avec des moyens de bord. Ça, c'est la première difficulté. Okay. Parce que sans argent, vous ne pouvez rien faire. Mm-hmm. Hein? Donc, on exploite même nos petites économies pour y arriver. Oui. Hein? Par exemple, la descente que j'ai pu effectuer dernièrement, oui. c'est pas des moyens de bord. Mm-hmm. Donc, je n'ai eu... de soutien nulle part, donc je me suis débrouillé avec ma propre poche mm-hmm. pour acheter les carburants et équiper votre équipe, notre équipe oui. et aussi faire des dons par-ci par-là, mm-hmm. qui n'est pas mon rôle en mm-hmm. tant que député national, oui. mais c'est essentiel quand même hein, d'en faire. Si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera? Mm-hmm. Du moment où la population en demande. Okay. Donc, c'est la première difficulté.
La deuxième difficulté, c'est l'état des routes aussi. Okay. Hein, l'état des routes n'est pas bon et parfois on a des pannes de véhicules à cause de mauvais état des routes. Et aussi la population tellement qui souffre, ça constitue aussi une des difficultés que nous rencontrons dans ces parties. Si la population était dans la joie énorme, hein, ils ont tout. Mais pourquoi on doit rencontrer des difficultés comme ça? On est envahi par la population. Ils veulent à tout prix que vous puissiez les nourrir. Ils veulent à tout prix que vous puissiez les équiper avec un moyen de transport pour les retourner là où ils vivent lorsqu'ils viennent vous accueillir. C'est aussi une des difficultés. Donc, il faut avoir vraiment beaucoup d'argent pour faire la politique au Congo actuellement. Mais ce qui est différent sous d'autres cieux? Ce qui est différent sous d'autres cieux, parce que là-bas, même si vous êtes... même moi aussi, il y a même un leader politique qui m'a demandé pourquoi tu vas faire la politique au Congo au lieu de nous rejoindre pour que tu fasses la politique, parce qu'ici c'est facile. Là-bas, tu vas souffrir, tu vas peiner pour réaliser vos projets, tout ça en politique. Mais ici c'est facile, il y a tout. On vous a formé ici et vous pouvez entrer seulement en campagne et vous êtes élu. Et puis la façon de se faire campagne à l'étranger, c'est différent. Hein? Voilà. Là, vous pourrez présenter votre projet société. Voilà. Ici au Congo, il faut faire les bilimbo. Voilà, et... là-bas, si vous présentez votre projet de société, ils comprennent directement à travers votre discours. Oui. Et si votre discours est gâché, c'est fini. Personne ne va t'écouter. Personne ne va t'écouter. Mais si quand vous venez avec les discours, papa, le bamba, on coupe ça, biso, yenango, biso, malobana, tout ça, ok. Tout à fait, exactement. Voilà. Ouais, c'est différent aussi. Là-bas, c'est une. C'est ça aussi qui fait la différence entre nos populations et les populations là-bas. La population là-bas est. C'est une population très éduquée et généralement, les politiciens là-bas n'ont pas de difficultés pour exprimer leur, leur opinion. Donc, voilà. Et en contrarié, et si les politiciens ne font pas de bonnes choses, la population l'attaque facilement aussi parce qu'ils ont cette liberté-là de s'exprimer, de parler. Ils attaquent même le premier ministre, même le président, ils l'attaquent. Sans problème. Avec beaucoup de respect quand même. Oui, voilà. Okay. Alors, avec beaucoup de respect, pas des injures. Alors, monsieur Noël Moussoué, nous sommes arrivés presque à la fin de notre magazine. Vous allez donner votre mot de la fin. Je ne sais pas à qui vous allez vous adresser, à la population ou bien à la classe dirigeante, mais les moments vous est donné. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je m'adresse à la population de Massimanima. Je reviens encore avec mes derniers propos. J'ai dit, et je le répète, la population de Massimanima doit choisir la jeunesse, la nouvelle génération. Pourquoi? Parce que depuis 1960, tous les politiciens qui se sont précédés à Massimanima, ce sont des vieux. Ils étaient des vieux. Je me rappelle, en 1960, ces politiciens étaient jeunes. Mais après, ils ont continué jusqu'à la vieillesse, toujours des politiciens. Cette histoire-là doit cesser. C'est pour cela que je demande à la jeunesse, jeunes filles, jeunes garçons, et les mamans, les papas de Massimanima, choisissez la jeunesse. Choisissez la nouvelle génération. Choisissez l'autre vision du Congo. Choisissez l'AVC, votre candidat valable qui va vous représenter valablement et qui a porté vos fardeaux de toutes vos doléances jusqu'au Parlement pour vous défendre valablement. À la classe dirigeante, vous devez tout faire de travailler tout proche de la population. Vous devez écouter la population. Vous devez soulager cette population qui souffre énormément. La malnutrition. Nous avons une terre bénie. Notre pays a une terre fertile. Normalement, la population devrait se mettre au travail et devait travailler la terre. Devrait faire l'élevage des gros et des petits bétails. Cet élevage devrait leur donner la viande, une bonne viande, une viande avec plein de protéines. La pisciculture devrait leur procurer des poissons avec des protéines. Nous avons des champignons. Nous avons des poissons. Nous avons les feuilles de manioc. Nous avons beaucoup de choses que nous devons nous-mêmes nous procurer et manger et avoir la bonne santé. Mais cette population est tombée dans la misère totale à cause de nos politiciens qui les avaient habitués à leur donner à manger. Normalement, on devrait leur apprendre à pêcher au lieu de leur donner à manger directement.
C'est ces messages que je lance à la classe politique pour que les choses changent. Nous puissions changer notre façon de voir les choses. Nous puissions changer notre façon de représenter nos populations au Parlement. Nous puissions avoir l'initiative de reconnaître nos erreurs. C'est ça. C'est ça mon message à la population de Massimanimba. Merci beaucoup, Monsieur Noël Moussouini, d'avoir répondu à toutes nos questions. Madame, Monsieur, je recevais pour vous Monsieur Noël Moussouini. Il est le président interfédéral de Massimanimba, confirmé. Vous l'avez suivi au travers des images, comment il a été intronisé par le cadre de l'AVCA, le parti, chez son Excellence, le ministre des Hydrocarbures, Didier Bouzimbou. Vous avez compris qu'il représente valablement l'AVC à Massimanimba. Vous avez suivi son message à la classe politique congolaise et surtout à la population congolaise pour faire un bon choix, le choix de la jeunesse, parce que, dit-on, la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Alors, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Nous avons parlé élections avec notre invité. Vous avez suivi ses propos. Il va vous revenir pour vous donner son projet des sociétés et son numéro des votes. Alors, vous allez voter, voter, voter. Merci beaucoup à André Capanzi. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.